Donc salut à tous, on est parti pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty World at War en mode zombie. On est parti pour la deuxième map du mode zombie qui est Verruckt. Donc première game, je n'ai pas lancé de game avant cet enregistrement. Donc on est parti, on peut voir quand même dans l'écran de chargement qu'il y a la map. On peut voir qu'il y a des atouts ajoutés sur la map. Bon. Alors, on spawn en fait dans un endroit avec une arme qui vaut 200. Voilà, on la prend, pourquoi pas. Bon, c'est une arme pas folle, on peut aussi acheter une autre arme qui vaut 600. Alors, dans cette map, la spécialité en fait, c'est que on a deux endroits pour spawn. D'un côté, il y a des armes américaines et d'autres sont des armes allemandes. Donc, c'est vraiment un concept de début de game assez rare. Donc en fait dans la pièce où on est, il n'y a pas de quick revive, c'est dans l'autre. Donc voilà, j'avais acheté l'arme à 600, et elle est quand même un peu meilleure. Donc comme vous savez, c'est la première map où les atouts sont ajoutés. Donc on aura le mastodonte, le tir rapide, le recharge rapide et le quick revive. Mais ce qui est spécial, contrairement à Nardarentoten qu'on avait joué dans la précédente vidéo, c'est que les zombies, ils sont plus rapides sur leur coup. En fait, vous allez voir, si je me souviens bien, les zombies, ils attaquent normalement comme dans tous les autres Black Ops. Alors que vous savez, dans Nardarentoten, même si on était proche des zombies, ils prenaient du temps pour taper. Mais en même temps, si ça faisait ça aussi dans cette map, la map, elle sera hyper facile. Vu qu'en fait, avec Mastodonte, on aura 5 coups pour mourir. Alors malheureusement, en fait, je dis qu'il y a Quick Revive, mais en fait, Quick Revive, c'est encore, je me souviens bien, il n'y a pas encore cette idée de revivre tout seul. Mais on va quand même le tester, il n'y a pas de problème sur ça. De toute façon, il n'y a que 4 atouts sur la map et on a un roi 4 atouts, donc on va tout acheter. Par contre, les zombies, ils spawnent de très loin quand même. Hein. Contrairement à Black Ops 3 où les zombies, ils spawnent très proches en fait des fenêtres. Voilà ce qu'on sait le chaud. Mince, c'est vrai que j'ai oublié qu'il y en avait derrière moi. Oula, ouf. Vous voyez comment il tape vite? Bon là c'est chaud, on va quand même optimiser nos rechargements et nos tirs dans la tête. Allez, manche 5. Bon ça a 2 balles encore pour ce fusil de précision. Enfin 2 balles dans la tête parce que bon c'est pas très efficace non plus. Hein. Je sais pas combien de temps on va rester sur cette first room, mais en vrai ça va, c'est quand même bien assez. Ok, ah oui c'est vrai, la MP40, ah ça va être très efficace là, attention, ah quel plaisir. Alors là il y avait le tir rapide qu'on va prendre bientôt, dès qu'on allume le courant. Alors on tire bien dans la tête pour, purée mais ils font des esquives. Alors on fait des tirs dans la tête pour gagner quand même pas mal d'argent. Ah le double point, yes. Oula attention, ils arrivent. Ah oh, mais tu vas mourir. Hop, coup de couteau, ça gagne plus. Non mais en fait, il est où le dernier zombie Ah oui, ok, très bien. Ok, on a acheté un fusil à pompe. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et aussi, on a acheté la STG, qui est quand même pas mal. On avait déjà joué cette arme dans Nardarentoten. J'ai l'impression que je prononce mal Nardarentoten. De toute façon, de base, je disais Nardarentoten. Bon ça, on a pas mal de bonus. Merci pour Immune, merci pour l'Instant Kill. Purée, ils sont longs à venir. Ah, voilà, manche 7. Bon, on va en acheter le quick. Enfin, le quick. Le tir rapide, bah, pour tirer plus rapidement. Ouais, je trouve que ça fonctionne bien avec le fusil à pompe. Mais ça va encore mieux fonctionner avec un fusil d'assaut. Bon, ça va réparer, ça récupère bien 10. Ah oui, c'est vrai. Voilà la porte du milieu qui s'ouvre. Parce qu'on a allumé le courant, on a accès à l'autre spawn. Oula, par contre, faut faire attention parce que deux coups on meurt. Ah, c'est efficace quand même, hein. Le tir rapide. Faut faire attention, il y a beaucoup de recul à cause du tir rapide. Alors, on tire bien la tête. Ah, purée, il y a un zombie qui a ouvert la barricade. Ah, aussi à droite. Mais non, sérieux. Voilà. Ah, merci pour l'immune, de toute façon, j'en avais besoin. Allez, on va prendre le mastodonte qui vaut 250. Par contre, ce qui est fou, c'est que dans ce jeu, je trouve. Là, je viens de voir, c'est que on paye notre boisson après l'avoir bu, ce qui est incroyable. Donc, on a acheté la M1, bon, une arme de base, mais qu'on teste vite fait, même si c'est pas très efficace parce que on a la manche 8. Vous voyez la non-efficacité, malheureusement. On est obligé d'utiliser la STG. Mince, j'ai acheté une. Alors, je vais acheter la deuxième qui est le Springfield. Voilà, vraiment, ça se voit que c'est un nom d'américain quand même, cette arme. Oh, purée. Aïe. Ah, mais calmez-vous. Oula. On esquive. Oh, mais non, mais. Allez, achète. Achète! Mais non, mais qu'est-ce qu'il veut? Bon, allez. Mais. Oh, purée. Mais non, mais. Non! Non! Bon, ça va.
Enfin, ça va pas trop, mais quand même... Oh, c'est terrible. Il veut pas ouvrir la porte. Bon, on va quand même tuer le dernier. Avec la Springfield, on va essayer. Oh là là. Oh, pourquoi je le touche pas? Bon, il a la flemme. Bon, 2x2 en fin de manche, pas ouf. 2x2 en fin de manche, c'est pas ouf. Ouais, quand même. Bon, on va ouvrir. Alors, ici, le double barrel qu'on connaît bien. C'est quand même pas mal efficace. Alors, des grenades. Alors, grenades, vous savez, de World at War, hein, les classiques. Les grenades bâton. Oh, le double barrel. Hop, la Thompson. Une arme très bonne de ce jeu. Aïe. Allez, on tire bien dans la tête pour gagner les points. Allez, manche 10. Ah bah purée, détruise le mur même. Oh purée, munitions max au bon moment. Par contre, c'est vraiment naze que quand même on gagne que 50 quand on fait un coup de couteau en insta-kill. Mais bon, c'est comme ça, c'était le jeu. Oh purée, les douches. Bah, il y a plein de fuites d'eau, donc on peut se faire des douches dans ce jeu. Quand même, ça va, on monte vite de manche. Hein. Il faut juste un peu plus de 1 minute pour passer une manche, c'est cool. Après, je suis à manche 11, c'est toujours assez efficace mes armes, donc je reste ici et voilà, on farme un petit peu. Oula, ça commence à être compliqué, en vrai. Ah, il faut esquiver. Aïe, oula, on est obligé de sortir de là, quoi. Allez, oh purée, mince, le bug. Allez, on monte les escaliers. Heureusement. Oula, ou le bug. Bon, heureusement qu'il n'y avait aucun zombie. Ah, Insta-kill, merci. Avec x2. Ok, manche 12. Oh. On va acheter les Betty, peut-être. Alors, les Betty, ce sont des mines. Si je ne me trompe pas, en vrai. Alors, voilà. Et devant la porte. Génial. Ah, ça a explosé direct. Oula. Ça semble pas bon. Ah, vite, mais ouvre. Oh, il y a un problème avec les portes, ce jeu. Bon, bah, tant pis, on ouvre toutes les portes. Hein. Ah, on tue un petit peu. Ah, le double barrel. Ouais, ça fait des trous. Oh purée, c'est pas assez. Oh purée. Allez, on achète. Hop, le fusil à pompe avec plus de balles. Oh, je suis bloqué. Bon, ça va. Allez, dans la tête. Purée, j'ai pas pris le rechange rapide. Casse les pieds. En plus, ça rame, je sais pas pourquoi. Mais en plus, pourquoi? Mais what? Il me déstabilise. Ouf, mais attends, mais quoi? Même en marchant. Allez, grenade bâton. On va peut-être ouvrir des coffres. Ah bah non, ça c'est nul. Allez, on va essayer d'avoir quelque chose de bien. Oh, le laser, pourquoi pas. Alors j'espère que... pas comme dans Ardern Totten où le laser me fait tuer. J'espère que dans cette partie, le laser ne me fera pas tuer. Ah oh, purée, j'ai plus assez maintenant pour acheter le rechange rapide. Alors la barre, what? Oh purée, la barre 2500, c'est quand même beaucoup. Bah, allez, voilà, utilisons le laser, assez efficace. J'ai failli être bloqué. Ouais, manche 14. On va acheter la barre peut-être pour tester. Alors la barre équipée, on va peut-être descendre parce qu'autrement on va rester bloqué ici. Au moins dans cette pièce, ça, c'est un peu plus espacé. On peut voilà contourner les zombies. Ah mais sérieux. Voilà, dans le tas. Voilà, c'est efficace. Bon, juste faut pas tirer dans les pieds. Hein. Ah la manche 15. Oh bah c'est pas mal pour une première partie. Après c'est pas grave. Hein. En vrai manche 15 c'est bon, ça me fait quand même un petit bon test. C'est vrai que on n'a pas joué les pièges, mais vous connaissez un peu les pièges. Au pire si je pense pas les utiliser, fera dans un autre épisode. Car en soi on a fait quand même le tour du bâtiment, donc c'est déjà bien. On n'a pas fait le tour de toutes les armes dans le coffre, mais en vrai c'est pas trop grave. Hop, la Molotov. Voilà, manche 16. Bon bah voilà. Bon allez, on va acheter le speed cola. Quoi? Non, attends, je me suis pris un coup plus laser. Ça fait autant de dégâts le laser sur nous? C'est sérieux là? Oh, il a vraiment un problème ce laser. Allez, petite deuxième partie pour montrer l'autre spawn que j'avais parlé tout à l'heure, où il y avait le quick revive. On atterrit dans cette partie en fait. Et voilà, on a quand même deux armes sur le mur, comme on a une petite M1, et voilà en fait son efficacité, ce qui est un peu meilleur, voilà. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ce que ça donnait, donc en vrai, on enchaîne. Donc en fait, alors je vais vous montrer des choses, par exemple ici, il y a un petit easter egg avec les toilettes, parce que la toilette de gauche, c'est que si jamais vous appuyez trois fois en vrai sur ce toilette, et ben une musique, vous allez voir, va se jouer. Bon là on entend très mal avec tout ce brouhaha de zombies. Mais si je vais m'éloigner, ça va un peu mieux se jouer. Par contre je savais pas que la musique
Genre quand on mettait tout à 100%, la musique était si basse que ça, quoi.